Une caricature vite fait de Claude Askolovitch en noir et blanc à l'encre de Chine. Pour démarrer ce dessin, je ne sais pas encore comment je vais faire son visage, mais je sais déjà que je vais faire une forme de bonhomme, un petit peu rondouillard, pas très grand, et je connais déjà le gag. Donc voilà, j'attaque le visage avec des photos trouvées sur Google. J'aime bien dessiner des gens que personne dessine, et pour l'instant, j'ai encore jamais vu de caricature de Claude Askolovitch. Claude Askolovitch est très très intéressant à écouter parler, comme tous les gens très très érudits. Mais l'érudition, même énorme, n'empêche pas de dériver vers des discours complètement incroyables. Et donc j'ai découvert qu'il avait pris la défense d'un mec qui avait poursuivi Eric Zemmour dans la rue, en l'insultant et apparemment en lui crachant dessus. Donc cette idéologie qui consiste à transformer les agresseurs en victimes, il y a bien longtemps que je supporte plus d'entendre ça. Donc comme ça m'énerve, j'en fais un dessin, parce que c'est la meilleure des motivations pour faire des caricatures. Donc j'attaque à l'encre de Chine, mes fameux pinceaux Pentel, si pratiques, qui permettent de travailler si vite. En tout, le dessin m'aura pris environ 12 minutes. Voilà, le regard très particulier de Claude Askolovitch, ses yeux très clairs, regard, les yeux un peu rapprochés, et donc je le dessine en train de regarder son propre nombril. Là, je peaufine, je rajoute quelques petites ombres, et donc c'était Claude Askolovitch qui défend un gars qui poursuit Éric Zemmour dans la rue en l'insultant.